Bonjour à tous. Je suis sur le parking de Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes, à côté de la piscine, là où travaille mon cousin, tout simplement. Voilà, c'est le maître nageur de la piscine de Puget-Théniers. Voilà, je lui fais un peu de pub. C'est ici qu'on s'est donné rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on va retourner dans le Mercantour. Alors là, il est tôt, hein, il est, je crois qu'il est 7h du mat. On va aller dans le Mercantour, à Isola 2000, voilà, précisément. Donc, c'est une station de ski très connue, hein, vers laquelle je ne me suis jamais rendu. Donc pour moi, c'est, voilà, c'est une première. Et on va rejoindre Gérard, l'homme providentiel, notre guide durant notre dernier séjour, hein, dans la neige du Mercantour. Pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à ce séjour, je mettrai le lien en dessous. Et donc voilà, on va faire une journée en raquette dans ce magnifique endroit qui est idéalement placé. Voilà, ça bénéficie d'un ensoleillement et d'un microclimat très particulier, ce qui fait qu'il y a un enneigement maximal là-bas. Voilà, donc 43 pistes, 120 km de pistes en tout. La plus basse d'entre elles en altitude, je crois qu'elle est à 1006 ou 1008, je ne me souviens plus trop. Et la plus haute monte jusqu'à 2600 mètres. Voilà, donc je ne sais pas exactement où on va aller, parce que ça, c'est encore Gérard, hein, qui va nous guider, qui va nous faire découvrir ça. Donc on verra une fois sur place. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, j'attends mon cousin qui devrait arriver et je vous dis à tout à l'heure directement sur place. Allez, à plus les amis. Coucou. On a Amélie, une stagiaire au mois de septembre, hein, c'était ça? Ouais, septembre. Voilà, à Mercantour Formation, qui était avec nous. Ben voilà, c'est la surprise du jour. Salut tout le monde. Mister Fa, bien entendu, et l'homme providentiel. Salut. Alors j'ai... Comment allez-vous? Bah écoute, nous ça va. Hein. Depuis hier, j'ai pris... Non, depuis avant-hier, j'ai pris un an de plus. Ah ouais. Joyeux anniversaire alors. Ouais, merci. Si on avait su, on t'aurait fait un gâteau. On va faire un gâteau dans la neige après. Voilà. Bon, mon GG, où tu nous mènes aujourd'hui? Bah, nous allons au col de la Lombarde, et après nous irons vers le plateau qui nous mène à Santa Ana de Vinadio. D'accord. Mais nous ne sommes pas sûrs d'aller jusqu'au sanctuaire parce que c'est assez éloigné. Bon, d'accord. Le programme du jour. Super. Si tout va bien. Ouais, parce qu'il n'y a pas trop de neige. Hein. Il n'y a pas trop de neige. Oh là là. Ouais. ça craint un peu. Ouais, c'est clair. Que en cette saison, il y a aussi peu de neige, non, au niveau des chutes de neige. Le météo neige le met dans son bulletin. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. C'est exceptionnel. Oh là là. Bon, voilà. Donc on est à Isola 2000. On va l'imaginer, hein. Je pense à Gérard. Hein? On est à Isola 2000, voilà. Donc si t'as de la place, fondé en 1971, si je dis pas de bêtises. Voilà. Isola. Ah bah regardez. Directement. Voilà, regardez. On est prêt. On est prêt à décoller. On est prêt à décoller. Voilà, les amis, regardez ça. Isola 2000. Non mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de neige, hein. Franchement. Ouais, c'est dramatique. Bon, allez les amis, je vous dis à de suite. On enfile les raquettes dès qu'il y a un peu plus de neige. On vous dit à tout à l'heure. À toutes. Bon GG, on vient de croiser un skieur. Et qu'est-ce qu'il vient de nous dire par rapport aux conditions? Qu'il n'y a pas trop de neige, hein. Ouais, c'est bien ça. Hein. Voilà, donc on va opter quoi pour le plateau de La ligne de crête en réalité qui mène au lac de l'Osfer. Côté italien. On est sur la bord la frontière franco-italienne. D'accord. Bon. Après lui dit il y a plus de neige sur la route du col de la Lombarde, mais bon c'est pas très intéressant pour nous parce qu'on fait pas de glisse. Ouais. Donc on va sans doute. On va aller où il y a de la neige. On va voir sur le coup. Voilà. Voilà. Là, nous courons après la neige. C'est ça. Incroyable, à Isola 2000. Putain, ouais, là c'est... Le temps se gâte.
le temps se gâte. Alors, bon, j'espère qu'on va pouvoir mettre les raquettes quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Col de la Lombarde, 2350 mètres. Lac de terre rouge. Gérard, il nous en a parlé tout à l'heure. Mais... Ah ouais, je vais d'abord filmer ça. Ça va, Amélie? Ouais, sympa, hein? Ouais, magnifique, il y a même du soleil. Il y a du soleil là-bas, ouais. Bon, là, il y a de la neige. Là, c'est cool. Sanctuaire de Sainte-Anne. Ah oui, voilà, tout droit. Ça. Accessible par ici ou par la route au choix. D'accord. Oh, c'est perdu. On truc. Par là. Ouais. Et on va arriver peut-être jusqu'au refuge là-bas. Peut-être. Sainte-Anne. Ouais, pas sûr. D'accord. D'accord. Bah écoute, moi je suis content, on a les raquettes. Ça y est. Voilà. Oh chien là. Oh les amis, venez voir ça. Oh là là. Ouh, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout là. Amélie, qu'avez-vous à dire? Il y a du tissu un peu indien, ça. Souvent, hein, sur les bouddhistes. Regardez ça les amis, ça c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, ça, c'est pas là, je vais enlever mes raquettes. Voilà. France, Italie. Voilà. France, Italie. Voilà, là c'est l'Italie. De toute façon, depuis tout à l'heure, on longe cette crête. Regardez, on la voit même plus la crête. On la voit même plus. On va voir ce qu'on fait. Hein. Ah oui, là ils sont en train de regarder la carte. Donc je vais les rejoindre sans plus tarder parce que ça m'intéresse. Allez! Les courbes de niveau, on monte là ou on reste à la même altitude sur le chemin? On est censé monter. Non, il y a une altitude par là. Ouais, 2300 et on veut aller à 2380. Ah ouais. Donc on monte, ouais. On monte encore. T'es pas ça? L'idéal, c'est de prendre ou d'aller dans le... Vers le sanctuaire, là-bas. Sainte-Anne. Ouais, d'accord. Là, c'est plus facile. Ouais. Bah, là, je l'ai jamais fait en été. Mais la cime du Losfer, il y a des pentes qui sont quand même bien. Ah oui, belles, non, hein. Mais c'est pas aller faire la cime. Mais tu passes pas par la cime là. Non, le sentier. Tu vas là. Voilà, ouais. C'est un... Non, non, mais même là, je pense pas que tu passes par la cime. Non.
Il y a le pas de Sainte-Anne. Ouais, par le pas de Sainte-Anne. Il était annoncé. Et ça... Ah si, le pas de Sainte-Anne, j'ai déjà fait. Si, si. Il y a un gros blocos, on peut manger là. Ah oui. Il est ouvert. Ah oui, à l'abri. Ah oui, super. Ah oui, c'est nickel. Par contre, ouais, on peut regarder ça. Non. On revient sur le mal. Ouais. Je l'ai fait, il était bien. On fait demi-tour. Hein. Oui, mais on ne sait pas trop le GR, toi, où il est, parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de cairn. Ouais. C'est juste qu'on est à la frontière, mais après... De toute façon, là, on tape dans la première file. Il y a une prime qui va jusqu'à 2400. Voilà, mais bon, monter... Elle doit être encore derrière. Alors, est-ce que c'est pas... On essaie de contourner par là, ouais. Voir s'il y a quelque chose. Ouais. Bon, au pire... Allez, dans cette direction. Allez. Bah, ça se dégage. Ça se dégage d'un coup. C'est assez étonnant. En 2 minutes, ça s'est dégagé quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Là, c'est. Regarde, on va là. D'un coup, on y voit mieux. Regarde, ça revient déjà. C'est à chaque fois par là que ça arrive. Ouais, nous on vient de là-bas. Là-bas. Et là. Voilà, on s'est permis un petit hors sentier, hein. Un petit hors piste. Voilà, nous on vient de là-haut. On vient de là-haut. L'idée de manger là, dans cette ruine. Juste là. Donc faut passer le vallon. On va voir si on est bien protégé du vent. Ouais, faut passer ça. Oh, c'est magnifique en bas, l'eau elle passe en dessous de la glace. C'est magnifique. Allez, on va essayer de passer ça. On est en train d'arriver à la ruine. Ouf, c'est de la poudreuse. Hein. Voilà. Alors regardez ça maintenant que je suis là. Là-bas c'est joli. Ah bah voilà, on se remet en marche. On a bien mangé. Fait du bien. Bon bah l'objectif tout simplement voilà, hein, c'est de retourner là-haut, au col. Ouh. Eh ben il fait presque chaud hein. Ouh. Oh là là. Ah ouais. Ah là il y a le vent. On arrive au col, il y a le vent. C'est un petit peu dégagé, regardez, on a même droit à un petit peu de soleil vite fait. Mais bon, il y a quand même des nuages assez menaçants là. Mais ça va, on s'en est bien tiré. Ah voici nos deux compères. Bon, c'était plutôt sympa. Super. Ça va. Allez, on va les rejoindre. Et ouais. Tout est dans le brouillard là-bas. Bon, c'est par pure prudence hein, qu'on n'est pas allé plus haut. Mais finalement, on aurait pu. Hein, le sommet, il n'était pas si loin que ça tout à l'heure. Voici les deux. Je kiffe la camionnette là-bas. Je kiffe. Ouf. Oh là là, regardez ces nuages là-bas. Regardez ces nuages. Bonjour. Bonjour. Bon bah voilà. On va recaler. Ah ouais, vas-y. Voilà, hein. 2350 lac de terre rouge. On va faire ça. Bon, mon fa, c'était bien.
bien sympa. Bien sympa. Moi j'ai kiffé hein, perso aujourd'hui. Ouais. Hein. Bon moi je préfère ça. Hein. Ouais, c'est plus sympa. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, au niveau de la sensation. On se prenait des petits bouts de neige et tout, ça piquait quoi. Ah ouais. Et après ça a été quand même, on a mangé bien à l'abri. Sympa, journée sympa. Bon, on va aller voir ce qu'ils en pensent, c'est les deux. Qu'est-ce qu'ils racontent là, et là, ça a l'air bien raide. Donc je sais pas si finalement on aurait pu monter là-haut, mais est-ce qu'on aurait pu descendre de l'autre descendre, côté. Je sais pas. Eh ouais. Faudrait aller voir. Mais bon, si ça avait été dégagé, tu vois, là, on aurait pu évaluer. Mais l'échelle, on est dans au moment où on est passé, c'est dommage. Ouais, parce que le sommet était pas haut, quoi. C'est vraiment... Ouais, le pas, on était pas loin du pas. Bon, ben voilà. Hein. C'était la rando du jour, hein, à au-dessus d'Isola 2000. Hein. Ouais. Voilà. De la Lombarde, bon, on va dire une mini boucle, une boucle abrégée, voilà, abrégée avec le mauvais temps. Bon, les amis, on se dit à la prochaine, hein. Portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Allez, à plus. Hein.